Il est 11h au boulodrome Papa Arounadjian de Djepel. Les boulistes répartis en équipe, plus de 50 triplettes. Une participation massive pour cette deuxième journée du championnat. Tous les clubs sont conviés, n'est-ce pas, à prendre des dates, n'est-ce pas, pour qu'on puisse mieux préparer donc ces championnats du monde. 113 joueurs ont compéti, les participants ont rivalisé d'adresse. Il aura fallu 9 tours d'horloge pour connaître les vainqueurs. Il s'agit de Brahim Diallo, de Boule Amical Club de Kaolack, de Farandia, licencié à Lyon, et de Boubacar Samoura, de Boule Amical Club de Thiès. Je pense qu'on mérite cette victoire aussi quand même. Oui. Ce soir, on a joué en équipe, comme des professionnels quand même. Franchement, il faut le dire. D'autant plus que je joue avec un professionnel qui joue en Europe. Donc, on était relax. C'était le point fort de notre équipe. Oui. En parlant de sport, il faut les infrastructures. Et il faut les outils également qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir s'entraîner et de pouvoir acquérir les performances qu'il faut et gagner. Voilà. Encore 23 journées à compétir sur l'étendue du territoire national. Au finish, 4 boulistes seront choisis pour représenter le Sénégal au prochain championnat du monde de pétanque prévu au mois de mai en Espagne.